Olga. Olga. Aujourd'hui, nous vous rapportons une mise à jour concernant cette petite fille Olga, une enfant de 6 ans que tout le monde pensait être enceinte au regard du volume de son ventre. C'est sa mère, elle s'appelle Célestine, et cet homme, c'est son père. Ils ont traversé beaucoup de choses, mais aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est presque l'histoire la plus triste que nous n'ayons jamais diffusée sur notre chaîne. Depuis le premier jour, l'histoire d'Olga a été racontée à plusieurs reprises, alors qu'elle traversait une douleur terrible. Au début, elle n'a pas pu être soignée, car tous les hôpitaux locaux avaient échoué. La seule option qui restait était qu'ils aillent à l'étranger pour un traitement avancé. Des gens du monde entier ont fait des dons pour son traitement parce que ses parents ne pouvaient pas se le permettre et elle allait parfaitement bien. Le gros ventre avait maintenant disparu. Maintenant, elle était censée subir quelques opérations cardiaques. Elle était heureuse. Elle a même appelé sa mère pour lui dire que tout allait bien et qu'elle allait rentrer de sitôt. Elle allait subir sa dernière opération, mais malheureusement, celle-ci n'a pas réussi. C'était très douloureux pour tous ceux qui connaissaient Olga, la très belle petite fille de 6 ans que nous aimions et que nous aimons toujours. Elle est partie à l'étranger et nous nous attendions à la récupérer à l'aéroport avec beaucoup de joie, mais cela est resté un rêve. Elle est née normalement, elle allait à l'école, mais il y a environ 2 ans, tout a changé et elle est tombée mystérieusement malade. Cela n'a fait qu'empirer au fil des jours. Au début, elle a prétendu avoir mal à l'estomac. Le ventre a commencé à grossir quelques instants après. Les gens autour d'elle ont commencé à dire qu'elle était enceinte. Sa mère l'a emmenée à l'hôpital pour la faire soigner, mais le traitement s'est avéré être beaucoup trop cher pour elle. Ils ont été visités par Afrimax et leur histoire a été racontée au monde entier. Selon ce qu'ils disent, leur vie a complètement changé à partir de ce moment-là. De très nombreuses personnes ont regardé son reportage quand elle a été publiée. Ils ont tous contribué et ont donné de l'argent pour le traitement d'Olga. Sa mère souffrait avec elle depuis très longtemps parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'aller dans un meilleur hôpital. Alors, ils restaient à la maison. Quelques jours plus tard, nous leur avons rendu visite pour la deuxième fois et nous leur avons apporté l'argent qui avait été donné. Cela a été beaucoup de bonheur pour cette famille quand elle a reçu cet argent. Elle était très heureuse et à ce stade, elle a pu voir sa fille retourner à l'école et tout allait bien. Pour les aider, elle devrait amener sa fille à l'étranger parce que ce n'était que là-bas qu'ils pouvaient lui offrir le traitement dont elle avait besoin. Après cette opération désespérément pratiquée par des médecins locaux, la situation a empiré et l'argent que la famille avait n'était pas suffisant pour les emmener à l'étranger. Le ventre d'Olga a recommencé à gonfler, y compris certaines nouvelles parties du corps. C'est à ce moment-là qu'ils ont dû la ramener à ce dernier hôpital, ce qui s'est avéré être très utile, car les autres parties du corps qui gonflaient ont été soignées, mais le ventre, lui, continuait à gonfler. Ils ont de nouveau reçu la visite d'Afrimax et leur histoire cette fois-ci a fait le tour du monde. Elle demandait de l'argent pour amener sa fille pour un traitement avancé en Italie, parce que ce n'était que là-bas qu'elle pouvait se faire opérer et que sa vie allait changer pour de bon. Des milliers de personnes ont encore fait des dons. Elle a reçu cet argent et a commencé à établir les documents qui étaient censés les amener en Italie. Cela a pris beaucoup de mois car ils n'avaient pas d'ambassade italienne dans leur pays. Finalement, ils ont pu s'envoler pour l'Italie. «
Olga a été soignée, mais malheureusement, son état s'est avéré être pire qu'ils ne l'ont jamais pensé. Elle devrait subir des opérations cardiaques supplémentaires et ils avaient besoin de plus d'argent. Leur histoire a été racontée de nouveau et une fois encore, les dons ont été faits dans l'espoir de voir la petite Olga guérir. Elle a subi les opérations qu'elle était censée subir et enfin pouvoir rentrer chez elle à la maison en bonne santé. Malheureusement, alors qu'elle se préparait à rentrer à la maison, elle s'est mystérieusement affaiblie et s'est évanouie. La bonne nouvelle était qu'ils étaient encore à l'hôpital. Les médecins l'ont mise en salle d'urgence pour découvrir quel était le problème. Ce n'était ni le cœur ni le ventre qui étaient à l'origine de son malaise. Ils ont dû lui faire quelques examens. Il s'est avéré que le problème venait de la tête. Elle avait commencé à saigner à l'intérieur de la tête. Ils ont inséré un tube pour drainer ce sang. Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais le sang était trop. Et c'est comme ça que la petite Olga est décédée. C'était très douloureux pour tous ses parents, ses frères et sœurs, les médecins, sa famille, tous ceux qui la connaissaient et tous ceux qui ont essayé de les aider. Olga traversait beaucoup de douleurs, mais c'était une fille forte. Elle essayait de ne pas pleurer, même si elle traversait une douleur terrible. Elle faisait tout pour ne pas déranger sa mère. Elle était une belle fille adorable et aimante, que nous n'oublierons jamais. Elle vivra dans nos cœurs pour toujours. La famille d'Olga remercie tous ceux qui ont donné un coup de main pour sauver la vie de leur fille. La mère d'Olga dit qu'elle sera toujours reconnaissante du fond du cœur envers tous ceux qui ont contribué pour sauver sa fille. Merci à tous nos donateurs. Merci à tous ceux qui ont fait des dons dans l'espoir de voir cette petite fille guérir. Merci à tous ceux qui ont fait des prières. Que Dieu vous bénisse.